Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron et bienvenue pour ce troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mounted Blade Warband saison 4. Et donc la dernière fois je vous avais laissé, et ben c'était pas cool, on avait perdu, enfin on venait de finir la guerre contre le Royaume des Nords, on avait perdu pas mal d'emplacements, même si on avait regagné Dirim. C'était un peu la galère, du coup ce que j'ai décidé c'est que j'ai joué pas mal tout seul, vous allez voir, j'ai entraîné mes unités, j'en ai posé un petit peu en garnison à Almar. Et sinon, j'ai essayé de pécho. On va continuer sur cette lancée. Je pense que je vais essayer de pécho parce que de toute façon, le royaume n'est pas en guerre. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire si ce n'est augmenter mes unités. Et là, j'essaie de pécho. Voilà, je vais. On va essayer de faire ça. Ça va être plutôt cool. C'est parti. Donc, voilà, je vous reprends. C'était à Almar. Donc, voilà, ma petite compagnie de 123 personnes. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à en poser un petit peu. J'en ai déjà posé pas mal à Almar, mais je vais continuer à en poser. Dans l'idéal, j'aimerais bien une grosse garnison de 400 Pékins. Mais ça va être compliqué. Du coup, je vais quand même en poser. Ah oui, petite chose. J'ai équipé tout le monde. Mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont tous un canasson plus une grosse armure de la mort. Donc ils sont vraiment très très forts. Et je pense que ça permettra de faire des trucs un petit peu plus sympas. Toc, je vais donner dans un CV vétéran. Alors voilà, je vais essayer de descendre à 60, je pense que ça peut être pas mal. 60 unités, ça pourrait être bien. Je vais donner quelques chevaliers, quelques fantassins. Voilà. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon, donc j'ai perdu pas mal de thunes en vendant tout plein de trucs, enfin en achetant tout plein de trucs. Je regarde un petit peu, il y a un voyageur, une cavalerie mercenaire. Mais bon, j'en ai encore plein de la thune. Je suis plutôt tranquille. Donc là, ils sont à 331. Oh, bah dis donc, j'en ai posé pas mal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé. Rapport, l'ordre par relation. C'est. Elle s'appelle comment la nana? J'ai essayé de draguer une nana, je sais plus qui. Et je suis à plus 26, donc c'est fou. Ah, mais ça, c'est qu'avec les lords. Relation de séduction. Dame Mihar, relation 27, dernière vizir il y a 3 jours. Et donc j'ai appris un poème, mais je m'en suis pas encore servi. Dans l'idéal, il faudrait peut-être que je continue un peu sur cette lancée. Monter un petit peu ma réputation. Mais pour l'instant, je pense qu'on va aller plutôt rechercher de nouvelles unités pour s'entraîner un petit peu. En attendant qu'il y ait évidemment une baston, enfin que notre royaume se remette en guerre. J'aimerais bien qu'ils se remettent en guerre assez rapidement parce que là je suis oisif. Il me faut des gens à tuer. Toc, cette arme du chlorodoc. Donc je fais un peu ça depuis quoi, une heure ou deux de jeu là. Des petits allers-retours entre les villages, récupérer des unités. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et les entraîner ensuite par la suite dans les montagnes. Je les entraîne contre des gros groupes de bandits des montagnes. Par exemple, il y en a 40. Voilà, ça m'entraîne bien, c'est plutôt cool. En plus, tout le monde est bien équipé. Il n'y a que moi qui suis un peu la ramasse avec mon canasson, mais sinon. Sinon, tout le monde est super bien équipé. Après, c'est facile, les bandits des montagnes, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Hein. Allez, poussez-vous! J'arrive à pas grand-chose. Je vais continuer là-bas. Voilà. Donc on voit maintenant que même merde, comment ça s'appelle? Mes héros là, eh ben ils font des dégâts aussi. Ce qui est plutôt cool. Alors je les ai équipés mais correctement. Avec une grosse armure à 20 000 boules, des jambières, des gants, plein de trucs, un canasson pour tout le monde. Ils sont tous super bien équipés. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc tout ça pour avoir de la promotion d'unité quand même.
Pour l'instant, ça marche pas beaucoup. Ils n'ont pas reçu beaucoup d'expérience. Mais ça va bientôt changer. Alors, tiens, c'est Damia. Elle est actuellement à Tulga. Eh ben, allez, on va essayer d'aller à Tulga. Tulga, c'est ici. D'ailleurs, c'est la dernière grande ville à appartenir au Kargit Khanat. Ok, d'accord. On y va. Ça va aller vite. En plus, il y a des soldats qui sont prêts à être promus. C'est plutôt cool. Comme je l'ai dit, hein, dans l'idéal, il faudrait vraiment que Almar soit protégé avec 400 unités. Comme ça, moi, j'aurai largement le temps de me ramener. Et puis, même, personne n'aura franchement envie d'aller s'attaquer à autant de personnes. Alors, hop, les hommes du clan Rodok. Améliorer, c'est bien. Ah, il y a un tournoi. Eh ben, vous savez quoi, on va faire le tournoi. Ça a changé un petit peu. Oula, qu'est-ce que... C'est quoi cette arme? J'ai mis tir à la tête au cheval. C'est quoi cette arme de merde? Oh, je l'ai mis dans le bras. Et comment on voulait qu'on fasse quelque chose avec cette arme? Mais je vise dans la tête des chevaux, pas dans... Non mais je finis par tuer les chevaux et pas le... Voilà. Ah, c'est pourri comme... Ah voilà. Allez, en espérant que j'ai autre chose. Putain, c'est quoi cette arme de merde? Mais c'est vraiment nul. C'est de l'arme de jet. Mais alors, l'arme de jet. C'est tellement cancéreux. Plus mon mate là, il fait n'importe quoi. Tiens, mange-toi les coups. Ah, t'es avec moi, toi. J'ai mis un tir dans la tête et je l'ai pas tué, ou c'est à mon mate que j'ai mis ça? Je crois que je l'ai mis dans la tête à mon copain. Ou alors c'était à toi? Ah mais t'es pas mon copain toi. Ouh! J'ai mis un petit tir. Il n'a pas aimé. Ah, oh, là c'est des flèches. Non mais sérieusement. Je sais qu'on est au Kargit Khanat, mais quand même. Un petit peu de mal à réagir, toi, on dirait. Hein. Pas le cheval que je veux tuer. Attends, mais sérieux, mais t'as combien de PV?
Aïe. Allez. Bim. Petit 27 points de dégâts. Voilà. Oula. Pas passé loin le... Pousse-toi. Voilà. Reste l'os monsieur là-bas. Oula. Ils sont hyper solides. Allez, viens ici. Get over here. Pas le cheval que je voulais taper. Voilà, ça y est. Allez. Touché. Ce qui est bien, c'est que là, je peux viser dans le tas. Si je touche quelqu'un, c'est cool. Touché. Tire à la tête. Ouais, ouais, t'inquiète. Oul. Il va finir par celui. Voilà. Enfin... Permet de sortir là. C'est tellement retard comme combat. Allez. Voilà. Ah, quand même. Oui, super. On a droit qu'à ça. Oh là, voilà la retardness. Tire la tête. Allez! Ah mais c'est bon! Voilà! Quand même! Il reste encore un tour? Ah super! Voilà! Alors pour l'instant, je touche que le cheval. Mais oh. Ben, j'aurais pu le toucher là quand même. Ben, j'ai fait que toucher le cheval. Hein. Voilà. Bon. Là, on a gagné. Maintenant, on va pouvoir aller donner notre victoire d'Amiar. Voilà, 27-28. Et dédier la victoire, voilà. Voilà, donc je peux me marier avec elle normalement, donc ça devrait être pas mal. Et plutôt, on est cool et on va tenter de rendre visite à la dame. Hein? D'accord. Ok, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis.
Au moins, on aura augmenté un petit peu notre réputation auprès de la dame. Dame Millard. Je sais pas trop à quoi ça sert de se marier, mais bon. Allez, on va retourner chez nous un petit peu. Je vais voir mon inventaire. Ouais, mon inventaire est nickel. Le groupe, ça va aussi. On va aller rechercher des unités. Je pense que. On va peut-être du côté d'Amer récupérer des. Oh, il y a des bandits. Petit entraînement. Coucou. Ah merde. Mon cheval il prend très cher là. En vrai c'est parce qu'il y a trop de mecs qui lancent des flèches. Y'a que ça! Voilà, c'est ça. Ah, trop de mecs qui lancent des flèches, ça commence à être tendu. Hein. Là, ça va mieux, mais. Enfin bon, chez nous on est tranquille. Zéro blessé, zéro mort. Et que chez les fermiers qui est blessé. Tranquillou. Oh, et les alites montent de niveau. Les alites, tu me sers absolument à rien. Du coup, on va te monter en force, ça ira bien. Continue de te monter, ça ira bien. Ah, il doit y avoir des unités qui peuvent monter de niveau. Voilà. C'est bien tout ça. C'est très bien. Je continue à récolter des petits pesos. Ah, ça m'appartient à cet endroit. On reçoit un domaine, vous savez quoi. Ça ira bien. Château de Derchios nous appartient pas d'ailleurs. Ah, j'ai tellement envie de le récupérer. J'ai tellement envie de tout récupérer ce qui nous a été piqué. Sont tous hostiles à mon égard, ces villages. Hein. Ah là là, ça m'énerve d'avoir perdu énormément de terrain. Entraînement journalier, comme d'hab. Hop, de la bonne milice soyenne. Et bim, 24 000 deniers. On gagne tellement d'argent, c'est stupide. Alors, il y a la nana qui me redemande de venir à Tulga. Bon, bah, on va y aller, hein. C'est drôle, moi j'ai continué à m'entraîner en attendant. Alors, Tulga, c'est pas à côté. J'ai continué à m'entraîner, il n'y a rien de spécial, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle petite guerre qui se déclenche là, histoire que on puisse repartir, parce que là actuellement, on s'emmerde un petit peu. Je m'entraîne, mais c'est pas oufissime. Alors, s'il te plaît, pars, j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Tenter de rendre visite à une dame. Ok. Bijour. 29 attentes. Vous aimez les poésies? 30 à 33, voilà, j'avais plutôt un truc. Bon, elle attend encore un peu avant de m'épouser. Bon, c'est déjà pas mal. Passer de 30 à 33, je sais pas combien il faut, peut-être qu'il faut 50, donc on va continuer d'augmenter un petit peu cette relation. Tout doucement. En attendant, moi je vais peut-être aller essayer de m'entraîner. Ah, Borcha. Je vais peut-être aller essayer de voir ce qui.
Comment on se bat dans ces steppes glacées? Les bandits de la toundra. On va voir si c'est plus difficile. Ah oui, il y en a masse là en plus. Allez, là c'est peut-être une baston un petit peu plus compliquée que d'habitude. Allez, mon cheval il est boiteux maintenant. Du coup, je me traîne encore plus qu'avant. Bon, ça m'étonnerait que j'ai un problème parce que vu la gueule de cette baston, ma petite armée. Sauf s'ils se prennent des cailloux, évidemment. Allez. Ça m'a pas l'air très compliqué. J'ai pris un point de dégâts. J'ai pris 15 points de dégâts, je me suis pris une grosse flèche dans le dos, je suis sûr. Ah, Borcha a monté de level. C'est vrai que maintenant que je les ai équipés, ils montent beaucoup plus de level. Peut-être parce qu'ils meurent moins souvent. Rien d'hyper complexe jusque-là. Yay! On a tué 57. Allez, c'est reparti. Puis ça continue d'augmenter ma renommée. Faudrait que je regarde un petit peu où est-ce que j'en suis actuellement au niveau de ma renommée. Je pense que ça pourrait être sympa. Bon, par contre, là, je me traîne un petit peu. Et peut-être que je change de canasson, un de ces quatre. Parce que là, actuellement, je suis à la ramasse. Je suis tellement à la ramasse. Hop, pédin. Aïe. Ok. Yay. Bon, ben voilà. Ça allait vite, c'était tranquille. En plus, j'ai fait un petit au fait. Hop, on monte les unités. Elle s'entraîne pas mal en plus, hein. Ça entraîne pas mal tout ça. Il y en a encore en plus. Oh. Si j'arrive à les choper, ça peut être sympa encore. Voilà, 118 contre 20 et des patates, ça va aller vite. On va les finir. Allez, mon coco. Ah, je me traîne tellement fort. Je suis genre le plus à la ramasse possible. Ils sont en train de faire un massacre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lors d'un siège. Ça peut être vraiment sympathique. Je sens qu'on va avoir une bonne petite armée. Ça va être plutôt solide. Solide, comme ils disent. Solide. Alors, je voulais regarder. Borcha. Donc oui, Borcha, lui, c'est ingénierie, repérage, connaissance du terrain et pistage. Ah oui. Ingénierie, repérage. Alors, attendez. Ingénierie. Intelligence, repérage. Intelligence. Pistage. Intelligence. Bon, c'est que de l'intel. Full intel.
Pistache, je pourrais le monter. Je peux pas monter plus de toute façon. Qu'est-ce que je peux monter? Bah, une compétence perso. Santé de fer, c'est pas mal. Donc là, 6, 6 plus 1, 6 plus 1, 6. Bien, c'est très très bien. Faudrait que je monte marchandage chez Marnide. Ce qui est pas ouf ouf. J'aurais dû faire un truc, ce que je n'ai pas fait, ce qui est plutôt bête. C'est que j'aurais dû vraiment split les compétences de groupe. S'arranger pour que il y ait plus de monde avec des compétences de groupe, ce qui évite d'avoir un problème d'attente entre les points. Pas très très grave non plus. Je vais regarder un petit peu. Rapport, renommée, 1082. Oh, c'est bien ça. Rapport budgétaire hebdomadaire, ouais, je suis énorme. Morale du groupe, la taille du groupe, elle fait beaucoup de choses hein, quand même. Heureusement qu'elle a le sens du commandement. Relation de séduction. On est plutôt bien. Et les relations de la faction, évidemment. Il n'y a pas grand-chose. Taverne, voyageur, troubadour nomade. Tiens, est-ce que tu n'aurais pas un nouveau poème? Cool, j'ai un nouveau poème. Ça, je m'en fous, c'est une... Ok, voilà. Place du marché, marchand de chevaux. Est-ce que ça, tu pues? Coursier boiteux. Mais ça pue beaucoup en fait. J'aimerais. Ah. Je pense qu'il faudrait que je me. Tiens, je virais ça. Il faudrait que j'augmente un petit peu ma compétence d'équitation. Au moins une fois, parce que là, elle est pas au top du tout. Alors on va racheter de la nourriture. Voilà. On va aller continuer un petit peu de s'entraîner. Je vais me balader en attendant qu'il y ait quelque chose. Voilà, juste petit souci. En fait, j'avais plus de place sur mon disque dur. Du coup, la fin de la vidéo n'a pas été enregistrée. Ce qui est un peu ballot. Mais bon, il s'est pas passé grand-chose. Je suis allé rendre visite à la dame. C'était pas un problème. Ensuite, je suis rentré. Et je suis rentré à Almar. Et j'ai juste posé les unités que j'avais formées dans cet épisode. Et puis en fait, c'était un épisode de transition, il s'est rien passé d'exceptionnel, j'ai juste tabassé des gens un peu partout. Donc dans le prochain épisode, tout simplement, je vais attendre qu'il y ait une guerre qui se déclare, histoire que ça puisse être un peu plus péchu. En tout cas, j'espère que cette vidéo, malgré ces petits problèmes techniques, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires des vidéos. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.